À l'approche des fêtes, peut-on espérer que Garance se réconcilie avec sa mère Clémentine, incarnée par Linda Hardy? Esther Valdingue, ça peut prendre du temps car il s'agit d'une grosse trahison mais, à un moment, les liens familiaux doivent reprendre le dessus sur les histoires de cœur. Même si ce qu'a vécu Garance est horrible. Et Maxime, alias Clément Rémien, pourra-t-elle lui pardonner? Ça va être plus compliqué car il s'est bien fichu d'elle quand même. Et, à part le sentiment amoureux, rien ne les unissait auparavant. Garance sait très bien que des garçons, elle peut en trouver d'autres. À l'instar de Demain nous appartient ou de la série Les Bracelets Rouges, vos personnages ont souvent un caractère bien trempé. Ces tempéraments vous ressemblent-ils? Ils me ressemblent, sans me ressembler, car je ne suis pas quelqu'un de méchant dans la vie. En incarnant ce type de rôle, j'aimerais bien faire réfléchir ceux qui s'y reconnaissent. J'en ai marre de voir à quel point les êtres humains sont capables de se bouffer les uns les autres. D'où vient votre vocation? Depuis que je suis toute petite, j'adore faire la folle, animer les soirées. À Courtry, le village de Seine-et-Marne où j'ai grandi, j'ai commencé le théâtre vers 10 ans. J'ai toujours su que j'aimais ça. Vos parents sont-ils du métier? Pas du tout. Mon papa est plombier à Paris et ma maman est maman. Avec 4 enfants, si est-il déjà beaucoup? Ressentez-vous un effet Demain nous appartient sur votre carrière? On m'appelle sans que j'ai besoin de passer des essais, notamment après les bracelets rouges. Et ça, ça fait énormément plaisir. Je vaux peut-être quelque chose, finalement. Just had a heart.